Et donc il va nous présenter aujourd'hui, il fait également partie de la SAT, Société archéologique de Touraine, où il a fait également certaines conférences, et il fait partie d'une association que tu peux présenter. Histoire et patrimoine à Saint-Christophe-sur-le-Nez. Voilà. Mon village natal, auquel je suis très attaché. Je comprends. Où je fais aussi quelques conférences. Voilà. Bien, donc merci, et on va t'écouter maintenant pour nous présenter donc, ces fameux bourreaux. Merci beaucoup, monsieur le président. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là. C'est ma première conférence depuis le confinement et il me tardait de revoir un vrai public parce qu'effectivement depuis quelques temps pas mal de manifestations, de conférences ont été annulées et donc je suis vraiment ravi d'être parmi vous pour vous présenter effectivement un sujet autour de mon terme de prédilection, la justice. Avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rendre hommage à deux personnes. Pierre Aubert pour commencer, donc un ancien du centre généalogique de Touraine. Que je connaissais bien, puisqu'il était de Saint-Pathien-de-Racan, moi de Saint-Christophe-sur-le-Nez. Je l'ai écouté quand j'étais très très jeune, dans les années 80, et je crois qu'il m'a donné un petit peu, peut-être l'envie et la passion de l'histoire. Donc je voulais lui rendre hommage. Parmi vous, je pense qu'effectivement Pierre Aubert, c'est une personne importante dans le cadre de la SAT. Et puis un hommage, pas virtuel mais réel, cette fois à Yvette Ardouin, à qui je dois beaucoup pour ce sujet-là, je vais la citer sûrement à plusieurs reprises. Elle a laissé chez vous une plaquette, le document incontournable sur le sujet, je ne fais que rajouter quelques éléments, mais c'est Madame Ardouin qui a vraiment fait l'essentiel du travail. Donc elle m'envoie un petit mot pour s'excuser, elle ne pouvait pas être présente parmi nous. Donc je la salue par vidéo interposée. Voilà. Et pour terminer, je suis historien, pas généalogiste, donc... Désolé, je ne vais pas faire la généalogie de tous les bourreaux de Touraine. Je vais vous présenter plutôt le sujet d'un point de vue historique. Alors, j'aborderai quelques éléments de généalogie, mais pour la généalogie pure et dure, je vous renvoie à la plaquette que Mme Ardouin a réalisée il y a une vingtaine d'années, je crois, trentaine d'années, que vous avez forcément dans la bibliothèque. Voilà, donc entrons directement dans le vif du sujet. Vous voyez que j'ai intitulé ma conférence « Les bourreaux en Touraine entre mythe et réalité ». Parce qu'effectivement, quand on réfléchit à la justice d'Ancien Régime et aux bourreaux en particulier, il nous vient instantanément beaucoup d'images, beaucoup de fantasmes, beaucoup de clichés. Des fantasmes et des clichés qui sont véhiculés par toutes sortes d'images, des images anciennes et puis des images plus récentes, 19e siècle. Vous voyez par exemple les trois du centre de cette diapo, on a l'impression d'une justice d'Ancien Régime qui condamne, qui exécute à tout va. Vous avez l'image du bas où on voit toutes sortes de supplices dans une sorte de grande fête où, semble-t-il, on prend plaisir à exécuter, à rouer, à pendre, etc. etc. Vous avez au-dessus une scène de torture avec également différents modes de torture, notamment l'estrapade. À droite, vous avez la roue, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Fantasmes qui sont entretenus par des musées. J'entendais tout à l'heure Madame parler de musées qu'on peut voir effectivement partout en France et même partout en Europe. C'est le musée des horreurs, c'est vrai quand on voit ces musées-là, on a l'impression que l'Ancien Régime était vraiment abominable en termes de sévices, de torture, etc. Je pense que tout ça est en grande partie fantasmé, exagéré, et que la plupart des objets qu'on nous montre dans ces musées n'ont jamais existé, et sont sortis de l'imagination de spécialistes ou pseudo-spécialistes du 19e siècle, qui ont voulu donner un petit peu un côté spectaculaire à cette période-là. Et puis pour résumer tout ça, vous avez le bourreau. J'aime bien cette image à gauche. Elle résume bien les clichés sur les bourreaux de l'Ancien Régime. La brute épaisse, ventripotent, la cagoule, la hache dégoulinante. Voilà, on a, je crois, tous les archétypes, ou l'image, en tout cas, le fantasme du bourreau tel qu'on peut l'avoir. Donc vous l'avez compris, si je commence par ça, c'est que je vais essayer un peu de déconstruire tous ces fantasmes et tous ces clichés. Bien sûr, je ne vais pas remettre en cause la peine de mort, les sévices, les tortures, mais je vais essayer de replacer ça dans un cadre un peu plus historique, en essayant de s'éloigner un petit peu des fantasmes, des clichés, des idées reçues qu'on a sur la justice d'Ancien Régime en général, et sur les bourreaux en particulier. Alors tous ces fantasmes, tous ces clichés, bien sûr, ils ne viennent pas de nulle part, et s'ils sont encore entretenus à notre époque, c'est qu'encore aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on nous montre régulièrement... des bourreaux avec souvent des erreurs historiques. Là, je vous montre ici trois exemples. Une série télévisée que j'aime bien, les enquêtes du commissaire Le Floch, une très très bonne série, où le personnage du bourreau est assez intéressant, puisqu'on voit un bourreau qui connaît les corps, qui pratique l'audisection.
Mais par contre, quand on est dans cette série, quand on est dans cette fameuse pièce où on dissèque, on entend à l'arrière des cris, enfin, voilà, l'impression qu'on torture à tout va, et que le Châtelet de Paris et la Maison des Horreurs aussi. C'est très exagéré, comme je vous le montrerai un peu plus tard. Deuxième illustration, un film peut-être un peu moins connu, Le Bâtard de Dieu, un film des années 90, je crois, tiré d'un livre de Michel Foucault qui s'appelle Dieu et nous seuls pouvons. C'est l'histoire d'un bourreau qui a été abandonné, un enfant abandonné qui devient bourreau un peu par hasard. Et un film en a été tiré. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a, voilà, un costume, on a ce rouge. J'essaierai de vous en dire quelques mots. Est-ce que vraiment les bourreaux étaient rouges, habillés en rouge? Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, on voit des bourreaux qui n'ont pas de cagoule. Et ça, d'ailleurs, c'est le premier cliché que je vais éliminer. Hein. Les bourreaux en France, au XVIIIe siècle, ne portent pas de cagoule. Ils ont le visage découvert lorsqu'ils exécutent. De toute façon, ils sont connus de la population, ils habitent au milieu de la population, tout le monde les connaît. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de cacher leur visage. Les cagoules, effectivement, on trouve ça dans les pays anglo-saxons, hein, en Angleterre, aux États-Unis. Effectivement, les bourreaux ont des cagoules, mais pas en France. Donc, quand vous voyez des images avec un bourreau cagoulé, bah, c'est une erreur historique. Nos bourreaux en France, au XVIIIe siècle et auparavant, n'avaient pas de cagoule. Alors, quant aux vêtements, je vais tout de suite évacuer la question. Je n'ai pas d'éléments pour la Touraine. Je ne peux pas vous dire comment étaient habillés les bourreaux de Touraine. On n'a aucun document. Madame Arnaud n'a trouvé aucune source non plus sur ce sujet-là. Je rêve un jour de trouver, donc je fais un appel, si quelqu'un trouve un jour un inventaire après l'essai d'un bourreau, ça serait extraordinaire. Peut-être qu'on aurait du coup la description de la garde-robe. Mais à ce jour, je ne connais pas d'inventaire après décès de bourreau, donc on ne peut pas tellement savoir plus sur la tenue en tant que telle. Donc comme je vous le disais, donc des fantasmes qui sont entretenus par la littérature, par le cinéma, par les séries télévisées. Et si on va même plus loin, c'est même entretenu auprès des enfants. Alors, ça c'est assez amusant, entre guillemets, hein, de voir que la célèbre marque de Playmobil a parmi ses personnages un bourreau ou des bourreaux. Et là, vous voyez, on retrouve la même erreur, entre guillemets, concernant en tout cas la France. Hein, donc, bourreaux cagoulés, avec des couleurs un peu particulières. Et bien sûr, des bourreaux qui décapitent à la hache, qui pendent ou qui pratiquent des sévices. Voilà, vous voyez que même chez les enfants, finalement, on entretient cette image d'Épinal, d'un bourreau sanguinaire, qui torture d'une manière un petit peu arbitraire. Et puis j'ai trouvé, c'est un ami qui m'a indiqué cette bande dessinée pour enfants. Alors elle est assez rigolote, je l'ai lu, c'est assez rigolo, ça s'adresse à des enfants de 6-12 ans. Donc vous voyez, Tronche Treuil, hein, donc c'est l'histoire d'un bourreau, alors très malhabile. Et là aussi on retrouve un peu les mêmes archétypes, la cagoule, la hache. Hein, alors comme on le verra, les bourreaux en France n'utilisaient pas du tout la hache. Bon, voilà, donc toutes sortes de petites erreurs, ou de clichés, ou de raccourcis. Donc je vais essayer un petit peu de mettre de l'ordre dans tout ça. Alors quelques mots... avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques idées générales. D'abord, ça va peut-être vous surprendre, mais le mot bourreau, en fait, il est quasiment jamais utilisé dans les sources de l'Ancien Régime. C'est un mot plutôt contemporain. Dans les sources du XVIIIe siècle, en particulier pour la Touraine, on va retrouver des formules comme exécuteur des sentences criminelles, ça, je trouve un peu plus de cachet, hein, un peu plus glorieux, ou alors tout simplement exécuteur de la haute justice, ou des hautes justices, ou tout simplement exécuteur. Ou tout simplement maître, alors maître des hautes œuvres, hein, donc derrière cette belle formule, on parle bien du bourreau, ou alors tout simplement on parle de l'exécuteur de Tours. Le mot bourreau est quasiment absent des sources de l'Ancien Régime. Et pour la bonne raison que bourreau, en fait, c'est une insulte. Les bourreaux avaient même le droit de porter plainte contre les personnes qui les appelaient bourreaux. Et on a dans les archives, en particulier à Rouen, je crois, une affaire, donc un procès qui a été fait par le bourreau de Rouen contre quelqu'un qui avait osé l'appeler en public bourreau. Donc c'est un terme humiliant, déshonorant. Donc vous voyez qu'on n'appelait pas les bourreaux bourreaux autrefois, on utilisait d'autres formules. Deuxième élément, rappeler que le bourreau, ben, c'est un officier public, comme un magistrat, comme un juge, comme un greffier. À ce titre, il est pourvu de lettres de provision. Donc il y a un engagement officiel, hein, il est engagé après avoir reçu des lettres de provision de l'État, du roi en l'occurrence. On fait une information de vie et mœurs, c'est-à-dire qu'on s'enquiert un peu de son état civil, hein, vérifie qu'il est bien catholique, hein, puisque bien sûr les offices publics sous l'Ancien Régime sont réservés uniquement aux catholiques.
Logiquement qu'il a plus de 25 ans, mais en réalité, il y a beaucoup de dérogations. Et on a des cas de bourreaux qui sont devenus bourreaux, en fait, à une dizaine d'années, quinzaine d'années. Bon, est-ce qu'ils ont exercé? On ne sait pas. En tout cas, officiellement, on pouvait être bourreau bien plus tôt que 25 ans. Et puis, on vérifie aussi leur moralité. Alors, comme on le fait à l'époque pour n'importe quel officier de justice, on fait appel à 2-3 témoins, des gens du voisinage, des artisans, des marchands, éventuellement le prêtre de la paroisse, qui vient dire que la personne a une bonne moralité. Donc ça, c'est important à rappeler. Hein, le bourreau, il appartient à un corps, hein, le corps de la justice ancien régime, et on ne peut pas devenir bourreau comme ça du jour au lendemain, en tout cas au XVIIIe siècle. Deuxième élément, et c'est important à avoir en tête, puisque c'est une charge publique, on peut la transmettre. Vous savez que sous l'ancien régime, on a inventé la vénalité des offices et la transmission des offices, hein, depuis Henri IV en particulier. Donc les bourreaux, comme tout possesseur d'office public, peuvent la transmettre à leur fils, à leur famille. Hein, donc ça reste dans la famille, hein, la charge de bourreau. Alors, il faut l'autorisation du roi, mais la charge de bourreau, on peut se la transmettre de génération en génération. En tout cas, pour la fin de l'Ancien Régime. Et puis enfin, dernier élément, en tout cas pour la Touraine et le XVIIIe siècle, j'ai pu constater que la plupart des bourreaux, et même quasiment tous, savaient signer. Alors, pas une très belle signature, donc toujours la question, est-ce que quand on sait signer, est-ce qu'on sait écrire? C'est pas garanti. Mais quand même, le bourreau a l'obligation de signer quelques actes, et donc il y a peut-être un minimum d'alphabétisation ou un minimum de maîtrise de l'écriture chez les bourreaux au XVIIIe siècle. Et puis enfin, un dernier élément pour donner le cadre général, avant d'entrer plus dans le vif du sujet, pour nos bourreaux tourangeaux. Je rappellerai que, comme tout office public, les bourreaux bénéficient de gages, donc de gages annuels, des gages qui sont en général très légers et payés de manière très aléatoire par l'État. Les caisses de l'État sous l'ancien régime ne sont pas toujours très bonnes, et parfois on n'arrive pas à payer les officiers publics de manière régulière. Comme tout office public, le bourreau bénéficie de certains avantages, de certains privilèges. Il est par exemple exempté du guet, de la taille et des logements des gens de guerre. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, en tout cas avant le XVIIIe siècle, il n'y a pas encore de caserne. Donc les militaires, on les loge chez l'habitant. Et voilà, c'était un des avantages d'être bourreau. On pouvait pas accueillir, on n'était pas obligé d'accueillir des gens de guerre dans son domicile. Parfois, je n'ai pas la preuve pour la Touraine, mais le bourreau bénéficiait d'un logement gratuit, hein, qui était parfois donné par la municipalité ou par la justice locale. Et puis enfin, et ça c'est intéressant, et on le voit très bien dans le film, hein, je vous ai mis une photo du fameux film là, Le Bâtard de Dieu, il y a une scène très intéressante dans ce film-là, où on voit le bourreau en train d'exercer son droit de havage. Le droit de havage, donc c'était un des avantages des bourreaux, donc je n'étais pas très bien payé, hein, vous allez le voir tout à l'heure, mais il bénéficiait de ce droit. Donc le droit de havage, en fait, c'est un droit qui consiste à prélever sur les marchés, les foires, une certaine quantité de marchandises. Et logiquement, la règle, c'est ce que peut contenir une main. Donc le bourreau passait, prenait une poignée de blé par-ci, une poignée d'autres aliments par-là, et bien sûr, ça lui permettait d'avoir des marchandises qu'il revendait, et ça représentait, au bout d'une journée, des sommes importantes. Sachez que pour la Touraine, j'ai trouvé que le bourreau, parce que on considérait quand même, vous connaissez l'histoire du pain, retourné, des superstitions autour des bourreaux. En Touraine, on utilisait une cuillère. Voilà, donc le bourreau ne mettait pas directement la main, ne touchait pas les marchandises. Il passait par cette cuillère pour prélever sa part. Sauf que ça mécontentait les marchands, ça mécontentait les personnes qui étaient dans ces foires et ces marchés. C'était très impopulaire, surtout que le prélèvement était très aléatoire, les bourreaux abusaient de leurs droits. Il y avait souvent des esclandres, des scandales, voire même des violences, ça pouvait déraper. Et donc voilà pourquoi en 1775, le roi a mis fin au droit de havage. Donc le droit de havage a été supprimé dans toute la France, et il a été remplacé par une indemnité compensatoire. Donc on a versé, l'État a versé chaque année une certaine somme d'argent au bourreau de chaque ville. Donc on a essayé de calculer ce que gagnait le bourreau auparavant, et on a transformé ce droit de havage en somme d'argent. Pour le bourreau de Tours, c'était 600 livres, donc c'était quand même, semble-t-il, une somme importante, à Loches un peu moins et à Amboise encore moins. Donc voilà quelques généralités pour vous présenter le bourreau. Voyons maintenant d'un petit peu plus près les bourreaux en Touraine. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, le travail essentiel sur ce sujet a été fait par Madame Ardoin, hein, donc la plaquette que vous avez sous les yeux. Il y a eu deux éditions d'ailleurs,
Il y a une deuxième édition qui a complété la première. J'ai eu la chance de poser les deux. D'ailleurs, petite parenthèse, Madame Armand m'a fait l'honneur de me laisser, de m'offrir son dossier qu'elle avait constitué pour faire ce livre, sachant que je travaillais sur le sujet, donc je la remercie pour sa confiance. Hein, il y a énormément de documents intéressants, on retrouve aussi de la correspondance qu'elle avait établie à l'époque avec des historiens qui travaillaient sur le sujet. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment un historien, il y a 40 ans, écrivait, faisait des lettres. Maintenant, on va plus retrouver tout ça dans nos archives, hein, puisqu'on envoie des mails. Donc voilà, elle m'a donné ce gros dossier, et encore une fois, je la salue et je la remercie pour le travail qu'elle a pu faire et pour la confiance qu'elle m'a laissé, en me laissant donc ce gros dossier. Donc je vais essayer de continuer, de poursuivre le relais et d'en apprendre et en savoir toujours plus sur le sujet. Alors, les bourgs en Touraine. En Touraine, nous avons 4 bourreaux au XVIIIe siècle. C'est assez exceptionnel pour une province comme la Touraine. Il y a des provinces qui en avaient beaucoup moins. Donc ces bourreaux en Touraine, on les trouvait de manière assez logique dans les 4 tribunaux royaux de la province. Donc pour commencer, à Chinon, donc un bourreau permanent, en tout cas pour tout le XVIIIe siècle. Un deuxième à Loches, donc là aussi on avait un tribunal royal. Donc un bourreau était en permanence attaché à ce tribunal. À Amboise également. Alors Amboise c'est un peu particulier puisque ça a d'abord été un tribunal royal et ensuite c'est devenu un tribunal seigneurial quand le duché Berry d'Amboise a été créé. Mais le bourreau est resté en place, mais il était attaché en fait à l'élection et au grenier à sel d'Amboise. Et puis enfin, bien évidemment, on avait un bourreau à Tours. Tours qui était la capitale de la généralité, mais aussi la capitale judiciaire de l'ensemble de la province, puisque c'est à Tours qu'on trouvait le présidial, qui était le tribunal supérieur entre le Parlement de Paris et les tribunaux inférieurs. Donc 4 bourreaux, c'est beaucoup pour une province, encore une fois. Il y a beaucoup de provinces de taille équivalente pour l'Anjou, le Poitou, où on n'a pas autant de bourreaux. Donc ça, c'est peut-être une première particularité de notre province. Beaucoup de bourreaux, entre guillemets, au kilomètre carré. Alors, ces bourreaux, Madame Ardouin, son nom m'échappe, je le retrouverai, ont établi la liste des bourreaux pour les 4 principales localités où on trouvait un bourreau. Alors, je vous ai mis en gras un nom qui revient très souvent. Donc la famille Berger. Donc vous voyez qu'à Tours, au XVIIIe siècle, se sont succédés Jacques Berger, Antoine Berger et François Berger. À cette époque, ils s'étaient associés, donc ça c'est aussi une originalité. Les frères Berger avaient, par contre ça j'ai retrouvé le contrat de chez un des notaires de Tours, ils avaient passé un contrat d'association. Voilà, ils étaient mis d'accord pour travailler tous les deux, pour partager les bénéfices à deux. Donc il n'y en avait qu'un qui avait obtenu les lettres de provision, mais il avait passé une sorte de contrat de travail, d'accord commercial avec le deuxième. Donc Gilles-François-Nicolas Berger, et puis vous voyez que là, ça s'interrompt avec l'apparition d'un Louis-Charles-Martin Sanson. Alors ce Louis-Charles-Martin Sanson n'est autre que le demi-frère du célèbre Sanson qui a exécuté Louis XVI au moment de la Révolution. Donc vous savez que les Sansons, c'était la grande famille de bourreaux en France et à Paris. Sur 6 générations, de la fin du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et un des membres de la famille Sanson donc, a trouvé un poste qui s'est libéré en 1768 à Tours. Et vous voyez qu'il est resté bourreau en Touraine jusqu'en 1795, donc il a passé la Révolution. Ça a été, ce Sanson, le premier bourreau départemental. Après la Révolution, on a supprimé les bourreaux royaux et on a conservé un bourreau par département. Et c'est ce fameux Sanson qui a eu la place. En grande partie, semble-t-il, grâce à son épouse, qui était, semble-t-il, une personne au caractère très fort, et qui s'est battue pour que son mari obtienne le poste, en bavant d'ailleurs entre parenthèses sur les autres bourreaux, les traitants d'ivrognes, d'incapables, etc. Voilà pour Tours. Pour la ville de Loches, c'est un petit peu plus compliqué. On ne voit pas apparaître de véritable dynastie, sauf à la fin du XVIIIe. Vous voyez, vous avez Claude-Henri Chrétien, et son fils lui a succédé. Mais quand il lui a succédé, en 1789, vous voyez que la Révolution était déjà là, et donc il n'a pas pu exercer très longtemps. À Chinon, c'est un petit peu plus chaotique encore. On retrouve par contre 2 héros, donc c'est le père et le fils. Et vous constatez d'ailleurs que le Jean-Louis Héros qu'on voit à Chinon apparaît également à Loches. C'est le même. Ça prouve qu'on pouvait abandonner un poste de bourreau, sûrement considérant que ça ne rapportait pas assez, pour aller en trouver un autre plus lucratif ailleurs. Donc voilà comment le bourreau de, c'est bien dans ce sens-là, oui, le bourreau de Chinon
Mais au contraire, le bourreau de Loche a obtenu le poste de Chinon. Encore une fois, semble-t-il, beaucoup plus rémunérateur. Et puis pour Amboise, et bien en fait, on retrouve la famille Berger, parce qu'en fait, le poste de bourreau d'Amboise, c'est une annexe, on va dire, du poste de Tours. Hein, les bourreaux de Tours étaient également bourreaux de la ville d'Amboise. Et on retrouve, alors, au début, les mêmes, et puis ensuite, on a une deuxième branche qui s'est séparée de la première, avec une famille qui n'avait plus que cet office-là. Donc voilà, alors on n'a sûrement pas retrouvé tous les noms, vous voyez qu'il y a quelques trous. On n'est pas certain que les postes aient été pourvus de manière régulière, mais je dirais qu'on a là une liste assez proche de ce qu'elle devait être au XVIIIe siècle. Donc bien évidemment, sur tous ces personnages-là, hein, je vous renvoie à la plaquette, vous avez toute la généalogie, toutes les ascendances, descendances de ces différents individus, depuis l'origine jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Alors, parmi ces familles de bourreaux, vous voyez, j'ai insisté sur la famille Berger. Donc, la famille Berger qui était présente à la fois à Tours et à Amboise. Et encore une fois, en m'appuyant sur les recherches généalogiques faites précédemment et en élargissant à d'autres ouvrages que j'ai pu trouver sur le sujet. Et ça, c'est une surprise et même une découverte. C'est un scoop que je vous donne aujourd'hui. La famille Sanson, dont on parle tout le temps, 6 générations de bourreaux, bourreaux prestigieux, ben en fait, il y a mieux, il y a plus fort, entre guillemets, hein, puisque la famille Berger, vous voyez que dans la famille Berger, on a été bourreau pendant 9 générations, de manière continue, hein, sans aucune interruption. Alors, de Jean Berger, dont on n'a pas beaucoup d'éléments, jusqu'au dernier André Léon Berger, donc du début du XVIIe siècle jusqu'au milieu XXe siècle, hein, vous voyez que André Jean Berger était bourreau à Alger, donc c'était le bourreau de l'Algérie française, jusqu'en 1956. Voilà, de manière ininterrompue, la famille Berger a occupé un poste de bourreau à travers la France. Alors, c'est intéressant de voir les différentes localités où ils ont pu servir. Dans un premier temps, bien sûr, en Touraine, jusqu'à la Révolution. Et vous voyez qu'à partir de Gilles-François Nicolas Martin Berger, vous savez bien qu'on aimait bien les prénoms à rallonge à l'époque, avec la Révolution, donc le poste d'Amboise est supprimé, puisque je vous ai dit, c'est Sanson qui récupère le poste de bourreau, et voilà pourquoi notre ami Berger se retrouve du côté de Mende, du côté de Montpellier, retour à Tours, et puis finit sa carrière à Montpellier, mais simplement comme aide-bourreau. La petite étoile, c'est pour indiquer les aides-bourreaux et non pas les bourreaux en titre. Parce qu'effectivement, les bourreaux ne travaillaient pas seuls, ils avaient des aides autour d'eux. Vous voyez, donc, ces bourreaux, donc ces tourangeaux, hein, bergers, ont fini par quitter la Touraine pour s'installer plutôt dans les régions du Sud. Et comme vous voyez, donc, le dernier de la dynastie a fini sa carrière à Alger. Je crois qu'il est mort en 1956 d'une chute d'escalier, accidentelle, semble-t-il. Même si je crois que son aide, lui, avait été assassiné ou est mort dans des conditions un petit peu obscures. Mais voilà, on n'était pas encore véritablement, enfin, si on était au tout début de la guerre d'Algérie, mais bon, rien à voir a priori avec les événements d'Algérie. Donc voilà, donc ça c'est assez exceptionnel, hein, une famille de bourreaux sur 9 générations. Il y aurait sûrement un très beau livre à faire dessus, en tout cas une belle étude à faire, hein, parce qu'on pourrait retracer comme ça cette dynastie sur 9 générations. On verrait l'évolution de la justice, on verrait l'évolution des pratiques des bourreaux. Voilà, ça c'est peut-être un sujet pour plus tard. Alors, une question importante, ces bourreaux, traditionnellement, on les traite dans les études, de déclassés, de gens qu'on ne veut pas voir, de gens qu'on insulte parfois. Donc je me suis posé la question pour la Touraine, est-ce qu'en Touraine, les bourreaux étaient des déclassés ou pas au sein de la société tourangelle? Alors j'ai peut-être un premier élément de réponse. Au moment de la Révolution, Gilles-François Nicolas Martin Berger a déclaré la chose suivante. Voilà ce qu'il dit, la profession de bourreau, destinée, je cite, à mettre à exécution des sentences dictées par la loi, est néanmoins marquée du sceau de l'infamie, et partageant par l'effet d'un injuste préjugé la honte et les propres qui seuls devraient couvrir le front des criminels. Vous voyez, ils s'offusquent du fait que, finalement, ils ne font que leur travail, mais pourtant, c'est sur eux que revient la famille, la honte. Donc, il y a quand même cette idée de se sentir un peu exclu, mal vu, en tout cas au XVIIIe siècle. Donc, il y a peut-être un premier élément de réponse ici. Le deuxième élément de réponse, c'est d'étudier un petit peu leur localisation dans la ville. Effectivement, dans les villes d'Ancien Régime, les bourreaux ne sont jamais
dans les quartiers les plus beaux, ne sont jamais dans les quartiers centraux. On relègue toujours les bourreaux à l'extérieur de la ville, dans les faubourgs, en particulier à Tours. À Tours, les bourreaux, la famille Berger, résidait du côté de Saint-Symphorien, donc au-delà du pont, au-delà de la ville. Donc à l'entrée de la ville, certes, mais un petit peu à l'écart. À Loche, on a la même chose. Les bourreaux de Loche habitent dans un quartier, je crois, des Violettes, à l'extérieur de la ville, ou en tout cas pas dans le centre-ville. Et à Chinon, c'est la même chose. Les différents bourreaux de Chinon habitaient à l'extérieur de la ville, pas très loin du château. Et pour ceux qui connaissent Chinon, pas très loin de la porte de l'Octroi. Hein, quand on arrive au château, il y a un ancien bâtiment de l'Octroi. Et donc les bourreaux habitaient, semble-t-il, à une époque à proximité. Donc sur le haut de la ville, pas très loin du Fort Saint-Georges, finalement. Donc voilà, on les exclut un peu physiquement par leur demeure. On les écarte un petit peu de la ville en leur attribuant ou en les obligeant à vivre à l'extérieur de l'agglomération. Un deuxième élément, ou un troisième élément plutôt, pour montrer peut-être qu'on a affaire à des gens un peu déclassés, c'est quand on étudie leur statut social. Et là aussi, c'est Mme Ardoin qui a fait ce travail. Elle a étudié la mortalité infantile de la famille Berger. Et on voit effectivement que la famille Berger, en l'occurrence, a un taux de mortalité infantile bien, bien supérieur à la moyenne. Bon, vous connaissez les chiffres, hein, on est à plus de 300, 400 pour 1000 à l'époque. Mais les bourreaux, semble-t-il, des conditions de vie encore plus dures que la moyenne de la population, a priori, notamment quand on voit ce critère de la mortalité infantile. Un deuxième élément qui semble indiquer que les bourreaux sont un peu des réprouvés et des déclassés ou des gens un peu hors normes, ça vous le savez sûrement, c'est que les bourreaux se marient entre eux. Les bourreaux, fils de bourreaux, filles de bourreaux se marient entre eux. Bon, ça c'est pas propre aux bourreaux. Vous savez que sous l'Ancien Régime, on pratique beaucoup l'endogamie, donc le mariage entre gens d'un même statut. Mais il semblerait que pour les bourreaux, c'est encore pire, c'est encore plus net. Alors, on peut pas rester, bien sûr, on peut pas rester sur un cercle local. En fait, les familles de bourreaux se marient sur plusieurs villes de plusieurs provinces. Hein, on sait que les familles de bourreaux de Tourangelle ont des liens avec les bourreaux de Thouars, les bourreaux de Vendôme, les bourreaux de Poitiers, etc. Donc un grand cercle ultra régional où les familles, donc, entre guillemets, se marient entre eux. Alors il y a la volonté, bien sûr, de conserver la charge dans la famille, hein, mais il y a aussi peut-être cette impossibilité de trouver d'autres parties ailleurs. Hein, difficile d'épouser la fille ou le fils d'un bourreau. Alors, il y a quand même quelques cas. J'ai trouvé un bourreau, par exemple, qui avait épousé la fille d'un tisserand. Bon, on reste quand même dans un milieu très populaire, hein, mais la règle, c'est quand même, au XVIIIe siècle, qu'on se marie entre soi. Ce qu'on voit aussi, c'est quand on étudie les témoins aux informations de vie et mœurs. Quand les bourreaux viennent, et j'en ai plusieurs dans les archives, quand les bourreaux viennent pour être reçus, ils ont parmi eux des petites gens. Hein, donc des gens, effectivement, sûrement de leur milieu, des vignerons, des artisans, des agriculteurs. Donc ça semble indiquer que nos bourreaux appartiennent à cette strate-là. Donc plutôt le milieu populaire, les milieux populaires, donc une strate sociale inférieure. Et puis enfin, pour terminer, autre indice qui semble indiquer que les bourreaux sont plutôt des déclassés dans la société tourangelle, bah, c'est qu'ils ont les mêmes travers que les petites gens de l'époque. Ces travers, c'est l'alcoolisme, qui est un mal, qui touche beaucoup d'individus à l'époque. Les bourreaux, comme les autres, ne sont pas avares d'injures, d'insultes, d'esclandres, et voire même de violences physiques. Hein. On a des bourreaux, effectivement, qui se retrouvent devant la justice parce qu'ils ont eu le coup de poing facile, ou qu'il y a eu des affaires de violence. Voilà. Donc ils sont un peu comme les autres. Et ça semble indiquer que, bah, finalement, par cet aspect-là, ils appartiennent plutôt au milieu populaire. Alors, il y a même certains d'entre eux, et ça c'est surprenant de l'imaginer, on a même quelques bourreaux de Tourangeau qui se sont retrouvés en prison, qui ont fait quelques séjours en prison pour des affaires de violence, d'insultes, etc. Alors, vous avez parmi ces bourreaux qui ont un peu dérapé, entre guillemets, vous avez un cas extraordinaire. Bon, c'est peut-être le summum, alors c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Donc, Gilles-François Nicolas Berger, donc, était bourreau à Tours dans les années 1760, donc il avait déjà succédé, oui, à 4 générations, au moins, 4 ou 5 générations. Ben, il semblerait qu'il n'était pas très doué pour le métier, comme on dit, parce qu'effectivement, on a un document dans les archives du présidial de Tours qui nous dit que cet individu travaille très mal, s'acquitte très très mal de son travail, les exécutions sont ratées, mal faites.
et les tortures, pas mieux. Et puis, si on rajoutait ça, son incapacité professionnelle, il a surtout ce bourreau une vie pour le moins dissolue. Si je reprends un petit peu les différents éléments qu'on trouve dans le document, donc on nous dit qu'il mène une vie des plus déréglées dans son domicile et en dehors, et qu'il entretient un commerce scandaleux avec quelques filles de son voisinage, et effectivement, il avait des relations, semble-t-il, avec plusieurs femmes, dont une avec laquelle il a eu deux enfants naturels, qu'on retrouve dans les registres paroissiaux de Saint-Symphorien, tout en ayant une épouse légitime avec laquelle il a eu plusieurs dizaines d'enfants. On nous dit aussi qu'il s'emporte facilement, qu'il commet des excès, violences et voies de fête, c'était une expression typique de l'Ancien Régime, à l'encontre de ses voisins et des diverses personnes avec qui il a affaire, et en particulier, lorsqu'il prélève son droit de havage, ça dérape souvent. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit, il frappe son épouse légitime, ça c'est connu de tous les voisins. Donc ça fait un petit peu beaucoup. Donc voilà pourquoi, en 1768, la justice de Tours, très insatisfaite du travail de ce bourreau et puis surtout de son comportement, en sachant qu'il avait déjà fait un séjour en prison en avril 1563, la prison l'avait mis un petit peu à l'abri pour lui remettre les idées en place. Bon, ça n'a pas suffi, hein, puisque finalement il est à nouveau poursuivi quelques temps plus tard. Et finalement, en 1768, il est purement et simplement révoqué. Et dans le document qui explique la révocation, je trouve que cette phrase est intéressante. Elle nous montre bien dans quel état d'esprit on est au XVIIIe siècle. Il ne s'agit plus de rendre une justice barbare, sanguinaire, inhumaine. Il s'agit de rendre une justice entre guillemets propre et avec le minimum de respect qu'on doit à la vie humaine. Et voilà la phrase qui est assez intéressante. S'il est des hommes qui, par les crimes qu'ils ont commis, méritent la mort, et ils sont condamnés, ceux qui sont destinés à la leur donner, donc les bourreaux, doivent être des experts dans leur état, pour les faire périr promptement, et ne pas prolonger leur souffrance. Donc il y a quand même cette idée, au XVIIIe siècle, on est bien sûr dans au temps des Lumières, de rendre la charge beaucoup plus humaine, entre guillemets, de ne pas faire souffrir inutilement. Et donc voilà pourquoi on demande que le bourreau exécute bien, correctement, sans faire souffrir et sans faire traîner les choses. Et ça, c'est un élément nouveau, assez typique du XVIIIe siècle, de l'Ancien Régime et surtout des Lumières, hein, cette volonté de rendre une bonne justice sans excès, parce que les excès de la justice, on commence déjà à les condamner à l'époque. Hein, les Voltaire, Montesquieu et autres critiquent la justice, c'est justement ce côté... cette justice spectaculaire, tous ces sévices, toutes ces tortures dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc voilà, cet exemple de ce bourreau, il montre bien que les bourreaux, semble-t-il, appartiennent à la frange populaire la plus basse. Hein, ce ne sont pas des gens qui ont une grosse fortune, ils ne pouvaient pas, d'ailleurs, ils n'avaient pas beaucoup de revenus. Alors, voyons un petit peu maintenant quelles étaient les activités des bourreaux, donc finalement, quels étaient leurs revenus. Parce qu'en dehors des gages qui étaient très très faibles, comment un bourreau gagnait sa vie? Alors le bourreau, traditionnellement, mais ça je ne peux pas vous l'assurer pour la Touraine, il exécutait toutes sortes d'activités, ce qu'on appelait les basses œuvres et les hautes œuvres. C'est resté dans le langage courant, hein, je crois, être chargé des basses œuvres, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc les basses œuvres, c'est tout ce qui est un peu vil, bas, sale. Dans certaines villes de France, on sait que les bourreaux sont chargés de l'écarissage des charognes, de la vidange des eaux usées, du nettoyage des boues. Bon, prenez bien que ce n'est pas des charges très gratifiantes, mais qui permettaient quand même aux bourreaux de gagner un petit peu d'argent. On sait aussi, dans certaines villes, je n'ai pas la preuve pour la Touraine, que les bourreaux pratiquaient quelques activités occultes, entre guillemets. Tout simplement, les bourreaux étaient de très bons rebouteux, semble-t-il. Ils connaissaient bien le corps humain, ils connaissaient bien les différents membres, et il semblerait, et on a des preuves, hein, on a des archives au Mans, par exemple, on a un cas documenté, de personnes qui allaient consulter le bourreau pour se remettre un bras, un poignet, etc. Et donc ça permettait sûrement au bourreau d'avoir un petit peu de revenus. Alors ça montre aussi d'ailleurs, c'est un contrepoint à ce que je disais tout à l'heure, nos bourreaux sont un petit peu à l'écart, mais ils ont quand même des contacts avec le reste de la population, la preuve ici. Également, à la messe, ou en tout cas, quand il y a des baptêmes, les bourreaux ont des parrains et des marraines comme tout le monde. Donc il y a quand même une relation, peut-être un peu de méfiance, un peu de mépris, mais ces bourreaux ne sont pas complètement exclus de la société malgré tout. Et puis enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le bourreau peut prélever son droit de havage qui lui permet d'avoir un petit peu une somme supplémentaire,
des victuailles, et puis aussi donc de l'argent. Alors, en dehors de ces activités qu'on peut qualifier de basse, ensuite on a ce qu'on peut appeler les hautes œuvres. Donc les hautes œuvres, ce sont toutes les exécutions publiques. Alors, on pense bien évidemment aux exécutions des peines capitales. Alors, exécution de peine capitale et également exécution de peine, je vais expliquer juste après, de peine qu'on qualifie d'afflictive et d'infamante. Bon, infamante, on comprend, infamie, afflictive, là il est question de douleur. Donc ces exécutions, bien sûr, elles ont lieu en place publique, à la vue de tous. Parfois également dans les carrefours et les lieux accoutumés de la ville, comme on disait. Et puis enfin, entre guillemets, pour que le bourreau gagne un peu d'argent, il pratique aussi des activités, des séances de torture. Et là, par contre, bien sûr, les séances de torture, à l'image de ce tableau italien à droite, se pratiquent dans le secret. Alors là aussi, beaucoup d'exagération, je crois, sur le tableau de droite. On est un peu dans les images d'Épinal de cette usine à torture, en quelque sorte. Mais il y avait cette possibilité-là pour le bourreau d'être payé en fonction des activités qu'il faisait. Alors, si je décline un petit peu, je ne voudrais pas faire le musée des horreurs, mais il faut quand même que je vous présente les différentes peines qui étaient exécutées par les bourreaux en Touraine au XVIIIe siècle, comme partout ailleurs. Donc, parmi les peines capitales, je vais en présenter donc en cinq images les cinq principales, et n'en cherchez pas d'autres, et tant mieux. On enfouit plus vivant au XVIIIe siècle, heureusement, ça a été le cas jusqu'au Moyen-Âge. On ne pratique plus toutes sortes de sévices abominables tels qu'ils ont pu exister jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc sous l'Ancien Régime, cinq modes de mise à mort, la potence, donc la pendaison, réservée en général aux roturiers. Pour certains types de criminels assassins, la roue, donc c'est ce que vous avez en haut au milieu, donc d'où l'expression être roué vif, l'individu, comme vous le voyez, est allongé sur une roue, et le bourreau à droite, et vous voyez bien, il n'est pas habillé différemment d'un individu normal, il n'a pas de cagoule, il a un vêtement tout à fait classique. Donc avec une barre de fer, il va frapper donc à 9 reprises les différents membres de l'individu. Sur une estrade, à hauteur, pour que bien sûr le public qui assiste puisse, entre guillemets, profiter du spectacle. À droite, une scène d'écartèlement. Alors, on a un peu parlé tout à l'heure à table, et effectivement, l'écartèlement, c'est assez exceptionnel, c'est tout à fait exceptionnel. Je crois 6 ou 7 cas dans toute l'histoire de France, les régicides, ceux qui s'en prenaient à la personne du roi, le dernier en date étant Damiens en 1757, si je ne me trompe pas. Il avait simplement tenté d'assassiner Louis XV avec un coup de canif, mais bon, ça a effectivement donné lieu à un écartèlement assez abominable, et contre lequel, d'ailleurs, beaucoup de philosophes et beaucoup d'observateurs se sont soulevés. On n'acceptait plus au XVIIIe siècle de telles scènes, et on voit bien que les mentalités étaient en train de changer. En bas à gauche, le bûcher. Alors, on ne pratique plus le bûcher comme autant de Jeanne d'Arc vif. En fait, le bûcher, il vient en supplément d'une autre peine, après une pendaison, ou après un écartèlement, ou après la roue. Donc le corps sans vie du criminel était brûlé vif, pour qu'on n'en laisse pas aucune trace, pour que le corps se transforme en cendre. Et puis enfin, la peine réservée aux nobles, donc la décapitation, non pas à la hache, mais en France, on exécute et on décapite à l'épée. On est dans la noblesse, donc bien sûr, l'épée, c'est le symbole même de la noblesse. Donc décapitation réservée aux nobles. Et effectivement, les nobles qui commettaient des crimes odieux n'étaient pas décapités. On leur enlevait cet honneur-là et ils étaient pendus ou roués comme de vulgaires roturiers. Voilà, et une fois que les condamnations étaient exécutées, pour toujours cette idée de montrer, de faire la publicité, de faire peur aussi, on pendait les individus, donc les corps morts pour le coup, aux fameuses fourches patibulaires, aux fameux gibets. Et là, vous avez la reconstitution des fourches patibulaires de Château-la-Vallière, fourches patibulaires dont on a retrouvé les traces, et une fouille archéologique a été menée, et donc vous avez une reconstitution de ces fourches patibulaires. Donc bien sûr, là, j'ai bien conscience d'être dans l'extraordinaire, dans le sensationnel, mais je vais tout à l'heure repréciser tout ça et mettre un peu d'ordre. Ensuite, donc, les fameuses peines afflictives et infamantes, donc exécutées également par le bourreau. Alors ces peines afflictives et infamantes, c'est la marque au fer rouge, donc c'est l'image que vous avez à gauche. Donc ça, c'était souvent réservé aux galériens, donc on leur brûlait sur la peau donc les 3 lettres gal, comme gal pour galère, et les voleurs avaient droit à la lettre V.
Et précédemment, avant 1724, c'était une fleur de lys qui était marquée sur l'épaule des condamnés. C'est un peu le casier judiciaire avant l'heure. Hein, on n'a pas d'archives en fait très très stables ou très solides au XVIIIe siècle. Et donc, quand on arrêtait un individu, le premier réflexe c'était de vérifier les épaules pour s'assurer que l'individu n'était pas un récidiviste. Et bien sûr, si c'était le cas, ça aggravait sacrément son cas. Donc, le marquage au fer rouge, c'est bien sûr une peine douloureuse, c'est une peine afflictive, mais c'est aussi un moyen de marquer les individus, de les ficher ou de les suivre quand on les retrouvait par la suite. Vous avez également le fouet, donc c'est l'image du milieu, ce qu'on appelait au XVIIIe siècle la fustigation. Donc là, c'est particulièrement déshonorant, douloureux sûrement, mais surtout très déshonorant. Surtout que, comme vous voyez sur cette image, ça se pratique en place publique. Souvent, l'individu est accroché, comme vous voyez là, c'est une femme accrochée à un poteau, et le bourreau est chargé de fouetter plusieurs coups l'individu condamné. Et enfin, la troisième image, image qui a donné une expression « faire amende honorable », vous avez effectivement ici l'amende honorable, où on demandait au condamné, donc, là aussi je pense tenu par le bourreau, donc un cierge dans la main, de pardonner, enfin de demander pardon à Dieu, à la justice et aux victimes, dans une scène très, très sacralisée, hein, ça se passe souvent aux portes des églises, la présence du cierge, le vêtement, montre bien qu'on est effectivement encore dans un contexte très religieux, et c'est normal sous l'Ancien Régime. Donc toutes ces peines donc, sont effectuées sous la direction du bourreau, quand on lui demande bien sûr de les exécuter, c'est pas lui qui a le choix de tout ça. Hein. Autre peine afflictive ou infamante, et là plutôt infamante, alors très très rare, mais elle existe. J'ai un cas à Tours dans les années 1760, c'est ce qu'on appelle la promenade sur l'âne, ou assinade. C'est réservé aux maquerelles, aux prostituées. Autrefois, c'était réservé aussi aux maris cocus. Bon, mais ça ne se faisait plus au XVIIIe siècle. Donc c'est une manière de déshonorer les prostituées, les maquerelles. Donc vous voyez qu'on les dénude, on les fait monter sur un âne, mais en les faisant s'asseoir à l'envers, à califourchon, en leur faisant tenir la queue. Bon, bien sûr, on comprend le symbole. Et puis enfin, on leur fait porter un chapeau grotesque. Voilà, donc il y a vraiment une volonté d'humilier, de déshonorer. Hein, au XVIIIe siècle, l'honneur, c'est quelque chose de capital. Et c'est une manière aussi d'exclure quelqu'un du jeu social. Hein. Quand quelqu'un a subi une telle épreuve, cette personne ne peut plus rester dans la contrée et est un peu obligée de partir. Quoi. Donc c'est une autre manière de punir les gens. Hein. Certes, on ne frappe pas, certes, on n'inflige pas de douleur, mais peut-être que là, la peine est peut-être aussi forte que si c'était une douleur physique qui était infligée. Donc là, vous avez une scène d'ailleurs qui est une scène à Paris, une certaine Jeanne Moyon qui avait été... Donc qui avait été condamné à être promené à travers les rues de la ville. Donc bien sûr, là encore, c'est le bourreau qui se charge de tout ça, et qui promène donc le condamné à la vue et au-dessus de tous. Et enfin, et pour finir, pour terminer dans les peines afflictives et infamantes, la peine dite du pilori. Donc là, vous avez deux images qui nous viennent d'un fonds parisien. Donc le pilori, vous voyez, c'est tout simplement un poteau en bois ou en pierre auquel on attache le condamné. Et ça vous rappelle peut-être des choses, je crois qu'aux États-Unis ça se pratique encore un peu. Vous voyez que le condamné a une pancarte autour du cou avec les raisons de son exposition. Il a parfois les mains tenues dans un carcan. Donc, le carcan, en fait, c'est la chaîne que l'on aperçoit sur l'image du milieu. Donc c'est la chaîne avec laquelle on tient les mains du condamné. C'est pourquoi d'ailleurs on parle parfois de pilori ou de carcan. L'exposition dure bien sûr un jour de foire, un jour de marché, un jour d'affluence. 2 heures en général, 2 heures maximum. Et à droite, vous savez, le carcan, peut-être un des plus célèbres carcans, c'est le carcan de l'hôtel de ville, des Halles à Paris. Et là, c'est un modèle qui correspond un peu plus peut-être à notre image d'Épinal. Quand on va dans certains châteaux forts, on voit ces carcans où les touristes s'amusent à quelques minutes jouer aux prisonniers et à se faire photographier. Donc c'est un carcan qui est assez unique. Hein. Le modèle, je dirais, classique, c'est celui que je vous ai montré, le pilori. Donc un carcan plus ou moins circulaire, tournant, qui permettait oui, d'accrocher en même temps plusieurs condamnés en même temps. Donc voilà, tout ça c'est la justice bien sûr spectaculaire, c'est la justice un peu sensationnelle. Et comme la justice doit être rendue coûte que coûte, il y avait un dernier type de peine que le bourreau était en mesure d'exécuter, c'est ce qu'on appelle la pendaison par effigie. Donc quand un individu est condamné à mort par contumace, on exécute quand même la sentence,
Donc on peut rouer quelqu'un, on peut pendre quelqu'un, on peut brûler quelqu'un, mais de manière symbolique, même si c'est plus que du symbole, en utilisant, comme sur ce cas-là, un tableau, une représentation du condamné à mort. Donc le bourreau exécute, le bourreau réalise les gestes rituels, mais simplement à travers un tableau, ça peut être aussi un mannequin. Donc mannequin, tableau qui représente le condamné, avec cette idée qu'il faut que la justice passe, il faut que la justice soit rendue, pour marquer les esprits et pour montrer que la justice fait son travail. Voilà, donc tout ça c'est l'ensemble des peines qu'un bourreau est censé exécuter, en Touraine comme ailleurs. Et bien sûr, en fonction des différentes tâches, dans toutes les villes de France, un tarif a été établi. Donc je vous présente ici le tarif officiel. Bon, c'est un peu macabre et un peu spécial, mais vous avez ce que gagnait le bourreau pour les différentes exécutions. Bien évidemment, plus la peine est spectaculaire, plus elle demande de matériel, plus elle est payée cher. Donc vous voyez, pour rompre 30 livres, donc la fourniture de l'échafaud, échafaud qui était démonté et réinstallé en permanence, donc il ne restait pas sur place, il fallait effectivement pour le bourreau trouver une roue, et puis enfin il devait transporter le cadavre aux fourches patibulaires, tout ça demande du matériel, des charrettes, des chevaux, et donc voilà, le bourreau exigeait d'être rétribué pour tout ça. Donc 30 livres, c'était le prix payé au bourreau en cas de condamnation à mort par la roue. Pour brûler vif, la même somme, parce qu'effectivement il fallait comprendre la fourniture du bois, bois qui est une matière importante et chère à l'époque. Pour trancher la tête, 25 livres, dont 10 livres pour l'échafaud. Pour pendre, 14 livres. La fourniture de la potence, l'échelle, la fameuse échelle avec la superstition, on ne peut pas passer sous une échelle, ça vient en partie de là. Il y a aussi, bien sûr, la croix du Christ, l'échelle posée au pied de la crucifixion. Donc la pendaison, 14 livres. La fustigation, la marque au fer rouge, 8 livres d'isole. Fustigation et la marque au fer rouge, 7 livres d'isole également. La torture, 5 livres, donc séance de torture. L'amende honorable, avec la fourniture de du cierge et de la corde au col. Parfois, on faisait mettre une corde pendue à celui qui faisait l'amende honorable, là aussi on voit le symbole. Le carcan, 4 livres. Et enfin, la journée passée à l'extérieur, quand le bourreau devait aller travailler en dehors de son lieu de résidence, 4 livres. Voilà. Tout ça, c'est, je dirais, de la théorie. Parce qu'en réalité, tout ce que je vous ai présenté là, c'est plutôt l'exception que la règle. La plupart de ces peines, et j'en viens à expliquer pourquoi les bourreaux ne gagnaient pas bien leur vie, entre guillemets, la plupart de ces peines étaient très très exceptionnellement exécutées. Alors pour plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, la justice d'Ancien Régime a beaucoup de ratés, elle n'arrive pas toujours à condamner, arrêter, et on peut s'échapper très facilement. Et ce qui fait qu'en fait, les peines, et en particulier les peines capitales, étaient beaucoup plus exceptionnelles, beaucoup plus rares que ce qu'on imagine. Et j'aime bien cette phrase de Diderot. On ne la connaît pas cette phrase, mais pourtant elle résume bien cette idée-là. Vous voyez, Diderot a écrit que la peine capitale est moins funeste qu'une tuile, un grand vent, les voitures, une catin malsaine, la plus frivole des passions, un rhume, un mauvais, même un bon médecin. Alors, c'est pas du tout de l'exagération, Diderot connaît très très bien son époque, il observe et il voit effectivement qu'autour de lui, les peines de mort, et tant mieux, c'est une bonne nouvelle, les peines de mort sont relativement peu exécutées au XVIIIe siècle. Alors, deux exemples quand même, pour appuyer mes dires. Alors, le premier exemple, je vais le tirer du Chupéry de la Vallière, un territoire que je connais bien puisque c'était le sujet de ma thèse. Donc j'ai, de manière exhaustive, étudié toutes les archives du Chupéry, toutes les archives criminelles. Et vous voyez qu'entre 1700 et 1790, le bourreau de Tours, puisqu'il n'y avait pas de bourreau à Château-la-Vallière, hein, bien sûr, on faisait appel au bourreau de Tours, le bourreau est venu à 7 reprises à Château-la-Vallière, une fois pour fustiger Marc au fer rouge, une fois pour Marc au fer rouge, etc. Et finalement, alors, bien sûr, c'est deux fois de trop, mais le bourreau de Tours a exécuté à 2 reprises des peines capitales à Château-la-Vallière pour 3 individus, donc... un en 1710 et deux, le père et son fils, en 1729. Donc encore une fois, loin de moi l'idée de dire que le XVIIIe siècle c'était magnifique, extraordinaire, mais je veux simplement rétablir la réalité historique. Oui, on condamne à mort, mais de manière exceptionnelle. Et d'ailleurs, les historiens du Moyen-Âge commencent à nous dire la même chose. Au Moyen-Âge aussi, lisez Claude Gauvard, qui a sorti un livre magnifique sur la condamnation à mort,
au Moyen-Âge, et elle aussi, elle montre qu'au Moyen-Âge, déjà, on condamne à mort, finalement, pas autant que ce qu'on imagine. Voilà, donc, un premier exemple. En vrai, si on fait une petite moyenne, ça veut dire une exécution tous les 14 ans. Donc, vous voyez qu'à Château-la-Vallière, ils n'ont pas vu le bourreau très très souvent, et une exécution capitale tous les 30 ans ou tous les 50 ans. Donc, dans nos campagnes, je ne peux pas vous donner d'autres exemples, parce que je n'ai pas dépouillé toutes les archives de toutes les justices seigneuriales de Touraine. Ça serait intéressant de le faire. Mais je pense que cet exemple, on est en plus dans une grande seigneurie, une grande justice. Si on n'a que deux exécutions à Château-la-Vallière, je pense qu'on a pas plus dans les autres territoires tourangeaux, dans les campagnes tourangelles. Alors bien sûr, c'est plus intéressant de voir ce qui se passe à Tours, hein, capitale de la Touraine, et présidiale. Donc là, on a l'essentiel de l'activité judiciaire de notre province. Alors, je ne vais pas trop insister là-dessus, il y a peut-être un article qui devrait sortir bientôt sur le sujet. J'ai retrouvé toutes les exécutions réalisées par le fameux berger, celui qui a été révoqué en 1768. Et justement, c'est parce qu'il a été révoqué, qu'il n'avait pas été payé, qu'il a fait la liste de tout ce qu'on lui devait. Donc c'est un document qui est très intéressant. On a sur 6 ans toutes les exécutions auxquelles il a participé et pour lesquelles il réclame son argent. Bon, je ne vous ai pas mis les 6 années parce que ça aurait été beaucoup. Je vous ai mis simplement 2 années, les deux premières, 1762-1763. Bon, je laisserai le diaporama pour que vous puissiez peut-être le lire plus en détail. Je vous ai fait ressortir 2 exécutions à mort, 2 condamnations à mort. Vous voyez, le 15 mai 1762, un samedi, donc c'est pas choisi au hasard, c'est le jour de la foire à Tours, puisque bien sûr les exécutions publiques se passent sur les places de foire, la place du Grand Marché en l'occurrence, là où il y a le monstre, hein, pour situer. Donc le 15 mai 1762, donc on a eu une exécution, donc 2 hommes qui ont été roués vifs, mais, et c'est important aussi, on est encore dans cette idée qu'on est au siècle des Lumières, avec un rétintum. Donc ce rétintum, c'est un article secret qui se trouve à la fin de la sentence de mort où les magistrats du Parlement de Paris, puisqu'il y a appel systématiquement au Parlement de Paris, demandent au bourreau d'exécuter la sentence de manière fictive, c'est-à-dire qu'on discrètement on met à mort le condamné avant qu'il subisse les premiers coups, voire même avant même qu'il subisse aucun coup. Donc c'est une volonté d'exécuter la peine, mais encore une fois de ne pas faire souffrir. Un peu comme cette idée de la phrase que je vous ai montrée tout à l'heure. Et vous voyez qu'à Tours en 1762, donc les deux hommes ont été roués vifs, mais entre guillemets, ils étaient déjà décédés avant de subir leur peine. Et en 1763, un an et demi plus tard ou un an plus tard, on a également un homme qui a été roué vif, et également avec un rétintop, donc un article secret, qui demandait au bourreau de mettre discrètement à mort l'individu avant de l'exécuter proprement, de manière effective. Et puis vous voyez, sinon le reste, bah, qu'est-ce que c'est? C'est des flétrissures, donc des marques au fer rouge, c'est des fustigations. Beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Bon, ça c'est un fait connu des historiens, il y a très peu de femmes criminelles au XVIIIe siècle, donc forcément très peu de femmes exécutées sur les places publiques à l'époque. Et enfin, beaucoup de pilori et de mise au carcan. Voilà, on pourrait faire des statistiques, j'en ai fait. Bon, je ne vais pas vous aborder de chiffres, mais on voit bien que ce qui ressort le plus, ben, ce n'est pas les peines capitales, c'est bien les peines infamantes et afflictives, certes douloureuses, certes insupportables, mais on n'a pas effectivement cette image d'une justice qui exécute à tout va, tous les jours. Donc si on fait quelques calculs sur cette période-là, vous voyez, sur 2 ans, ça représente 16 jours d'exécution, c'est-à-dire 8 exécutions par an, ou une exécution tous les mois et demi. Voilà, donc à Tours, capitale de la province. Donc, bien sûr, c'est beaucoup trop, hein. Je suis bien d'accord pour dire que 0 serait mieux, mais ouais, c'est pas non plus tous les 4 matins, entre guillemets, ou tous les jours de foire, tous les samedis où la foire se tient à Tours. C'est voilà, en moyenne, tous les mois et demi, qu'il y a une exécution. Et encore une fois, ça peut être simplement un carcan, un pilori, une marque au fer rouge, et vous voyez que la condamnation à mort reste relativement exceptionnelle. Donc pendant ces 2 années, une 20aine d'individus ont été concernés. À l'échelle de la province, c'est quand même relativement peu. Donc, comme je vous l'ai dit, surtout des hommes. Enfin, pendant cette période, on n'a eu que 4 femmes exécutées. Et puis, donc, comme je le disais, donc, finalement, assez peu d'exécutions capitales. Alors, bien évidemment, je ne suis pas le seul à travailler sur ce sujet. Ce que je vous dis là n'est pas un cas propre à la Touraine. On peut bien sûr le généraliser. Hein, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur Paris, de grandes villes de Parlement, Toulouse, Bordeaux. Et les historiens du XVIIIe arrivent aux mêmes conclusions.
ça casse un peu nos idées, nos clichés, hein, mais on exécute finalement moins que ce qu'on aurait pu imaginer au XVIIIe siècle, et même, comme je vous le disais, dès la fin du Moyen Âge. Enfin, pour finir, un chiffre qui me paraît intéressant, puisque je l'ai dit, ce document, je l'ai établi grâce aux mémoires qu'un bourreau a établies pour être payé de ses notes de frais, en quelque sorte. Donc ça lui a rapporté tout ça, toutes les exécutions qu'il a fait sur 6 ans, on lui a payé, au bout du compte, l'intendant de Tours lui a payé 516 livres, ce qui revient à moins de 100 livres par an. C'est-à-dire moins de la moitié du salaire d'un journalier. Un journalier, effectivement, gagne aux alentours de 200 livres par an. Vous voyez qu'un bourreau à Tours dans les années 1760, et on est à Tours, donc imaginez à Amboise, Chinon et Loche, où c'est beaucoup moins important, vous voyez bien qu'un bourreau ne vivait pas sur l'or et n'avait pas un revenu, ses activités ne le permettaient pas d'avoir un train de vie exceptionnel. Alors bien sûr, il y a le droit de havage qui rajoute un peu, tous ces revenus occultes, mais vous voyez qu'un bourreau ne pouvait pas vivre au XVIIIe siècle de son activité de bourreau. Alors vous allez me dire, il reste la torture. Ben, pas de chance, parce que la torture, ben, même chose, hein, je peux déjà un petit peu anticiper sur la page d'après, la torture, au XVIIIe siècle, elle a quasiment disparu. Alors, avant de revenir là-dessus, quelques éléments généraux sur la torture au XVIIIe siècle, sans être trop gore également. Donc peut-être rappeler, il y a eu un très bon article dans la revue du Centre généalogique de Tourette, mis au point sur tout ça. Donc deux types de torture. La torture où on appelait ça la question, hein, au XVIIIe siècle. Donc la question ordinaire et la question extraordinaire. Alors, la nuance, c'est simplement l'intensité, la dureté ou la longueur de la torture. Donc selon le crime, selon ce qu'on voulait faire dire ou obtenir comme aveu du condamné, la torture pouvait être plus ou moins longue ou plus ou moins dure. Et puis enfin, et ça c'est plus important, au XVIIIe siècle, on a les juristes et donc les praticiens de la justice exécutent deux types de torture, la torture ou la question dite préparatoire et la torture préalable. Donc la première, elle est faite pendant l'instruction, donc au cours du procès, quand les juges n'arrivent pas à avoir suffisamment de preuves, que les témoins n'ont pas été assez clairs et tout simplement le condamné, ou plutôt le suspect n'a pas avoué. Donc on pouvait, dans certains cas très particuliers, hein, organiser une séance de torture. Et puis enfin, la torture préalable, c'est celle qui a lieu une fois que la condamnation à mort a été décidée. Quelques heures avant la condamnation à mort, on pratique une séance de torture pour faire avouer, c'est souvent pour des voleurs, pour faire avouer aux voleurs leurs éventuels complices. Avec cette idée qu'ils savent qu'ils vont mourir, on leur propose, entre guillemets, on leur donne la possibilité de libérer leur esprit avant de paraître devant Dieu. Donc il y a aussi encore un côté très sacralisé, très, très religieux là-dedans. Donc ces deux types de tortures ont existé tout au long du XVIIIe siècle, mais vous voyez, ça c'est pas très connu, mais vous voyez que la première forme de torture, donc celle qui se déroule durant l'instruction, a été supprimée par Louis XVI en 1780, donc ça veut dire qu'on ne torture plus en France 10 ans avant la Révolution, au cours du procès, et quant à la torture qui avait lieu donc juste avant l'exécution, elle a été supprimée en mai 1788. Donc officiellement, on ne torture plus en France quand la Révolution commence. Alors le mode de torture, bon là aussi on voit des choses abominables dans les musées, mais encore une fois, je pense que la plupart de ces objets qu'on nous montre sont complètement fantaisistes, inventés et sortis de je ne sais pas quelle imagination. Peut-être que ça vient aussi de certains pays, je ne parle que de la France, oui. Je pense qu'en Russie, vous avez certains territoires comme ça, oui, on a pu inventer des objets de torture abominables. Mais pour la France, c'est l'eau. Bon, tout le monde connaît la scène de Fernandel, je ne sais pas dans quel film, hein. Bon, c'est célèbre, donc on fait ingurgiter des quantités d'eau. Voilà. Il y a également le poids, on fait subir des poids sur les membres d'une personne. Et quant à la Touraine et à Paris, le mode d'exécution de torture le plus couramment utilisé, c'est ce qu'on appelle les brodequins. Donc vous avez deux images là qui illustrent assez bien, sans entrer dans des détails. Vous voyez qu'on a enserré les jambes du condamné avec deux planches. On introduit une sorte de coin en bois et le bourreau va frapper toujours plus intensément le coin. Et bien sûr, pensez bien que ça écarte les chairs et ça compresse énormément et ça fait énormément souffrir. Alors, petit bémol, les médecins de l'époque disent que c'est quand même le mode de torture le moins dangereux pour la vie humaine. On ne meurt pas a priori, on souffre horriblement, mais on ne meurt pas de cette torture. Et d'ailleurs, le but de la torture, c'est
c'est pas de tuer, c'est d'avoir des aveux, mais il faut que l'individu comparaisse, soit exécuté et soit vivant. Donc d'où l'intérêt aussi de ne pas exécuter ou de ne pas torturer, pardon, à tort et à travers, n'importe comment. D'ailleurs, tout est très réglementé. Hein, en général, le nombre de coups est défini, délimité. Ce n'est pas le bourreau qui choisit, hein, c'est les juges qui déterminent le nombre de coups. Et le bourreau ne fait qu'exécuter ce qu'on lui demande de faire. Ce n'est que la main armée de la justice et pas plus. Et dernier élément qui montre que cette torture est structurée, organisée et très, très, très surveillée, il faut que la torture se fasse en présence d'un médecin qui va interrompre la torture si jamais le patient, comme on disait à l'époque, se trouvait mal. Donc voilà, on est bien dans cette idée des Lumières du XVIIIe siècle où la vie humaine commence à compter, et même si on pratique encore des choses horribles, on essaye de mettre un peu d'humanité dans tout ça. Alors, on met d'autant plus d'humanité qu'en fait, la torture, je passe sur la salle de torture de Loche, peut-être, oui. Bon, j'en dis quelques mots, c'est une carte postale, je crois qu'on la voit encore dans le musée, mais il semblerait que ce soit complètement affabulation. Il semblerait que cette barre et cette chaîne, en fait, dateraient simplement du 19e siècle, et qu'elle servait simplement quand la prison de Loche, quand le château de Loche était une prison, à maintenir les prisonniers récalcitrants. Donc on nous présente encore, longtemps que je ne suis pas allé à Loche, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais vous voyez sur ces cartes postales, on nous parle de salle de torture, mais il semblerait que ce soit... Alors peut-être que cette salle a servi de salle de torture, mais quant à la barre et à ses chaînes, il est fort probable que ce ne soit pas du tout le cas. C'est toujours présent. C'est encore le cas, oui. Bon, donc je casse un mythe, c'est pas forcément... c'est pas sûr à 100%. Donc je disais, cette torture, elle est d'autant plus humanisée qu'elle est quasiment absente, quasiment plus pratiquée au XVIIIe siècle. Tout simplement parce que les magistrats du siècle des Lumières ont bien compris que la torture était très souvent inefficace, hein, et qu'elle n'aboutissait à rien, sinon faire souffrir inutilement. Et donc dans beaucoup de tribunaux, hein, que ce soit les plus grands, au Parlement de Paris, à Tours ou ailleurs, eh bien on ne pratique quasiment plus la torture. Alors là aussi, deux preuves archivistiques. Dans toutes les archives des justices seigneuriales que j'ai pu consulter, et Dieu sait que j'en ai consulté beaucoup, pas seulement le duché Péry de la Vallière, mais plein d'autres boîtes, peut-être des centaines, voire des milliers de boîtes, je n'ai jamais trouvé aucun procès-verbal de torture dans ces justices seigneuriales. Et dans les justices royales, on en trouve, mais là aussi, au compte-gouttes, et là aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les années 1779-1789, il y a un étudiant en maîtrise qui a fait un travail et qui a épluché toutes les archives. Il a trouvé effectivement un cas de torture en 1782. Je pense d'ailleurs que c'est la dernière séance de torture organisée en Touraine pour l'Ancien Régime. Et quant à Tours, ça c'est moi qui fais le travail et là de manière exhaustive, dans tous les cartons du présidial de Tours entre 1740 et 1790, j'ai relevé à ce jour, alors peut-être que j'en ai laissé de côté, mais je crois pas, je pense avoir bien fait mon travail entre guillemets, donc j'ai relevé 4 cas de procès-verbaux de torture en 1745, en 1772, en 1777. Là, on a même 5 individus qui ont été torturés le même jour. C'était une bande de voleurs, d'assassins, une bande assez dangereuse. Et puis on a peut-être un cas, mais j'ai pas retrouvé la source, en 1763. Donc à 4 reprises. Et vous voyez que à Tours, le dernier cas de torture, donc c'est 1777, donc bien avant l'abolition de la torture une décennie plus tard. Et enfin, dernier élément, cette torture n'est quasiment plus utilisée, et quand on l'utilise encore, on utilise uniquement la question préalable, c'est-à-dire celle qui a lieu quelques heures avant l'exécution. On ne torturait plus, déjà depuis longtemps, à Tours et ailleurs, au cours d'un procès. Voilà pour les différents éléments que je voulais vous présenter. Donc j'espère que je n'ai pas été trop rapide, on va se laisser un petit temps peut-être de discussion et de réflexion. Donc, loin de moi, encore une fois, l'envie de réhabiliter cette justice, hein, qu'on ne peut pas réhabiliter, hein, tout simplement. Elle pratique des choses qu'on ne peut plus accepter à notre époque. Enfin, en tout cas, pour moi, en tant que, en particulier, professeur d'histoire-géographie qui fait de l'éducation civique, hein, donc je ne peux pas aller dans le sens, peut-être, que certains, on entend des choses sur la peine de mort en ce moment. Mais bon, je pense que tout ça, voilà, je ne cherche pas à réhabiliter quoi que ce soit. Voilà, j'ai simplement voulu un petit peu remettre les choses à leur place. Donc cette justice, elle est très dure, elle est effectivement, par certains côtés, abominable, mais elle n'est pas peut-être aussi horrible ou aussi terrible que ce qu'on a pu imaginer. Et ça, c'est les archives et c'est le travail d'historien qui permet de le dire. Donc là, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez aller plus loin, je me suis permis de commettre
donc deux livres où je reprends abondamment ce que je vous ai présenté. Vous allez trouver des sources, vous allez trouver des références bibliographiques, vous allez trouver des documents. Et par exemple, dans ces deux livres, j'ai tenu à retranscrire l'intégralité d'un procès-verbal de torture, qu'on se rende compte par les archives ce que c'est qu'un procès-verbal de torture. Et rien qu'en lisant le document, ça casse pas mal de mythes. On voit bien que c'est effectivement plutôt réglementé, encadré, et que c'est pas du tout le bourreau qui torture comme ça, en fonction de son envie. Non, c'est un acte qui est juridique et qui est donc très bien encadré. Voilà, merci pour votre attention. Thank you.